Bienvenue les amis, bienvenue sur Paper Mario et surtout bienvenue sur ma chaîne Orenzia Fait du Gaming. Ça me fait plaisir de vous revoir, bien sûr. Et là, bien sûr, on est une fois de plus sur Paper Mario. Qu'est-ce qu'on fait sur Paper Mario dans cette vidéo, les amis? Eh ben, on est dans le désert. On va se balader un petit peu. Je vais vous présenter un nouvel ami, un nouveau Toad, un Toad archéologue qui va nous aider plus qu'on pense. Et puis on va aller dans un nouveau sanctuaire. Ouais, un sanctuaire de l'esprit du feu. Mais surtout, on va devoir l'affronter. Eh ben, ça va pas être si simple. Allez, à tout de suite, les amis, venez voir ça. C'est une bonne tranche de rigolade. Bienvenue, les amis, bienvenue sur ce petit Paper Mario. Alors oui, comme vous pouvez le voir, il est accompagné d'un chercheur, un scientifique, je sais pas comment on peut appeler ça, un géologue, je sais pas quoi. Et en fait, ce petit Toad, tout bien habillé, nous sert à creuser. C'est-à-dire qu'il creuse aux endroits... Donc oui, vous avez pu voir la fameuse botte mobile, je vais vous montrer ça. Alors attends, je sais pas s'il y en a là, je crois qu'il y en a plus. Non, il y en a plus. Bref, dès qu'il y a un trou, on va dire illuminé, et ben en fait ce petit toad peut creuser au trou du sol illuminé. Donc vous allez voir, c'est un peu particulier, mais c'est sympa. Donc là il y a un truc, tout de suite, voilà, oh ben 100% des trous rebouchés, mais c'est fabuleux. Alors qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça va que je vois un seul pouvoir comme ça. Donc en fait, vous allez le découvrir dans une ville qui, et puis il va vous permettre de déchiffrer les dessins. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Heureusement, je ne peux pas encore rien faire avec, d'accord? Les dessins qu'il y a un peu partout, comme là qu'on voit la stèle bleue. Donc ça, il va vous permettre de le décrypter, d'accord? Trop noir, pas ça pour des longs bois, pas ça, Mario? Un pouvoir glissé sans mauvais en plus. J'en suis désormais sûr et certain, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas la même, pas potable du tout. Ouais. Ah non. Ah. Attends. Ok. Donc ça, y a rien à faire, c'est quoi ça? Sélectionner un objet. Non, j'ai pas du tout quelque chose pour ça, d'accord. Bon. Alors, tiens, regarde. Lire. Sous les pieds des jumeaux vêtus d'épines, voilà où vous trouverez ma rétine. Sous les pieds des jumeaux vêtus d'épines, d'accord. Ok, donc voilà. Puis quand vous découvrez des choses comme ça, hop, vous pouvez voir, je vais faire à mes notes. Donc voilà, les fresques, les stèles, les tours, et ainsi de suite. Frères d'épines, vous trouverez ma rétine. Les frères d'épines, je dirais, donc les cactus. Cactus, les amis, les cactus. Sous les frères d'épines. Ah, ils ont l'air bien proches, eux. Hop. Sous les frères d'épines. Regarde. Voilà, j'ai bien compris, vous avez déjà un mauvais game, c'est ce que c'est, professeur. Pour être un trésor très ancien, jusqu'à un caillou de fourre tout aussi ancien, depuis le cas, tout ce qui est ancien mérite d'être gardé. C'est après que l'univers est archéologue, voilà, un archéologue. Donc on a eu trouvé le bois de triangle. Donc tu vois, faut bien chercher. Bon, après, voilà, les énigmes ne sont pas spécialement dures. Et puis, voilà. Voilà, la botte mobile, ça, c'est vraiment un truc qui déchire. Et franchement, ça va te servir. Le désert, il est grand. Et si tu. Voilà. Il y a deux choses. Le désert est grand et le désert est vide. Hein, il n'y a pas grand chose. Il y a des ennemis, certes, mais pas tant que ça, tu vois. Donc, bon. Hop. Voilà. C'est parfait, je n'ai pas d'autre mot. Alors. Ok. Ensuite. Voilà, trouver ma rétine. D'accord. Donc là, il y a une rétine. Qu'est-ce qu'on peut faire de t'examiner? Il est vraiment assez sage. Je trouve que j'ai les yeux au dos de. D'accord. Bon, pas d'autres... Non, bah, y a rien d'autre à faire. On va aller voir les autres... stèles. C'est ça, c'est des petites tours. Alors, est-ce qu'il y a un autre passage? Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc il y en a un autre au fond, là-bas, qu'on voit. On va essayer d'aller voir. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, une petite sauvegarde qui fait plaisir. Donc voilà, il y a... comment je fais pour y aller, là-bas? Ah, tu vois, il y a ça. Ça, c'est ce que je te parlais. Tu vois, tu vas là, tu vas dessus, tu appuies sur la croix directionnelle du bas, et hop, tu récupères des pièces. Ça, c'est vraiment intéressant. Bizarre que... Comment je fais pour y aller là-bas, moi? Attends, on va essayer d'aller voir ailleurs. Je sais qu'il y en a un autre ailleurs que j'étais passé devant. Et il faut qu'on aille le retrouver. Alors, je sais plus où il est. Tiens, le blâme. De toute façon, on est un autre. Pendant qu'on y est là, on va essayer de faire un tour du
du propriétaire. Voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Donc là, il n'y a pas grand chose. Non. Donc là, ça c'est 3. Ah, déjà 3, ouais, déjà. 3. Hop, saute. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Il y a bien une énigme, hein, c'est sûr. Voilà. Donc là, je pense qu'à chaque fois, il va falloir trouver. Si c'est mon œil que vous recherchez, c'est à mon pied que vous le trouverez. D'accord. C'est à mon pied que vous le trouverez. D'accord. Donc là, on va devoir poser au pied. C'est à mon pied que vous le retrouverez. Le pied. Ah, regarde. Je crois que c'est là. Tu vois? Putain. Comme par hasard. Dans le désert, quelle mairie. Ensuite, hop, on va le poser. Et il faut le positionner. Donc là, ça fait deux tours. Normalement, il y en a une troisième, mais je sais pas où elle est, la troisième. J'ai pas trouvé encore. Hop, examiner. Oui, on va mettre le carré. Le carré, le losange, peu importe. Hein. Enfin, ça dépend comment vous vous placez pour le voir. Même si ça ne fait rien d'autre, ça vaut le coup que ce joli spectacle. Ah d'accord, il va falloir mettre le feu, d'accord, dans la jarre. Ouais, il faut que ça passe un trait de lumière, tu vas voir. Ok, d'accord. Alors, comment faire pour mettre le feu à la jarre? Ah bon, j'ai vu qu'il y avait un truc à côté de lui. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Qu'ils ont eu, là, qu'ils y sont tombés. Non, mais ils sont tombés. C'est pas possible, il s'est mis à trembler comme ça, ça m'a fait tomber. Bon, allez. Attends. Ce qui est bizarre, c'est comment je vais mettre le feu là-bas, parce que je pense... Non. Remonte. Ah non, ils sont descendus. D'accord. C'est tourné, peut-être qu'il avait envie d'avoir autre chose. Alors, non, ils sont un peu niais, hein. Ils sont un peu benés. Hein. Franchement, tu peux pas avoir ce genre de réflexion. Comme ça, on s'en fout. Là, on peut pas voir un peu, on peut pas en parler un peu avec eux, non, on peut pas. Bon. C'est ça le truc, hein. Il va falloir mettre le feu dans les espèces de jarres en plein centre de la tour, justement pour pouvoir avoir ce fameux trait de lumière. Ouais. Non, je sais que des fois... Bah après, c'est pas une question de compliqué ou pas, mais il faut que j'avance. Je peux pas me permettre de vous laisser comme ça, regarder, à vous balader. Le désert m'a pris énormément de temps, hein, vraiment. Parce qu'il y a plein de choses à trouver, il y a plein de choses à découvrir, il y a les taux, et puis comme je te dis, j'essaie de faire un maximum de choses. Ah, il faut que j'avance. Si j'avance pas, vous allez vous ennuyer, les gars. Bah ouais. Alors attends, ça c'est pour là-bas. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un taux de là-bas, là. Et ce taux de là, j'arrive pas à l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas normal, ça. Tiens. Ça va pareil, là, ou quoi? Je suis presque sûr d'avoir tout fait. Ok, bah, je suis passé là tout à l'heure pourtant. Enfin bref, on s'en fout. Ah bah oui, ça réapparaît, tiens. Bon, vas-y, on va pas faire que ça non plus. Alors attends, ce qui est bizarre, c'est que... On n'a pas de feu sur la jarre au milieu. Vraiment dégoûtant, j'aimerais bien pouvoir aller... J'arrête de... D'accord. Bon, ça me... Attends. Pour dire le grand calibre. L'incantation. L'incantation, d'accord. Parce que en fait, il y a une stèle en plein milieu du désert, et en fait, on t'apprend que justement le ruban jaune est enfoui sous cette stèle, ou du moins commence ou continue sous cette stèle, la fameuse stèle qui est au milieu là. Donc on va essayer d'aller voir ça. Est-ce qu'on va découvrir quelque chose? Je sais pas. Alors, oh, une seconde, il y a quelque chose qui s'allume. Est-ce que c'est ça avant? Est-ce que c'est ça? Tu reconnais, non? On reconnaît pas, non. Alors, qu'est-ce qu'on... Tiens, en plus, qu'on peut lire. Sans doute, le temps de jouer, son idée, ça, on l'a déjà vu. Non, mais... Ah, tu peux pas sauter, là. Voilà. Ok, attends. Quel est l'endroit prévu? Incantation dans le grand désert. Incantation, pas quoi faire en fait. Grand désert.
Ça me plaît guère. Donc là, on arrive à la ville. Où en fait, la ville, t'as pas grand chose à faire. Vraiment, c'est une ville assez particulière. Et attention, il faut se garer là. Hop, viens. Mince. Faut bien se garer, tu vois, en fait. Hop, viens. Et voilà, joli créneau. Alors, la musique, elle est terrible ici. Franchement, la musique, elle est terrible. C'est vraiment, vraiment cool. Il y a un passage derrière, tu vois. Je sais pas du tout comment faire pour, pour y aller. Je sais pas. C'est... Tiens, quoi, c'est lui. Ah, bienvenue à Champigour, d'accord. En fait, y'a rien du tout, là. Y'a rien du tout. C'est ça qui est bizarre. Ah, je veux bien faire des trucs, mais... Là, je trouve pas du tout ce que je pourrais... Ouais, bon, ça va. Ah non, mais on peut pas venir là pour des prunes. Mais attends, c'est quand même bizarre. J'ai dit. D'autres passages. Petit désert de Calimérie, d'accord. En fait, c'est le petit désert de Calimérie. Ok. On s'en va. Attends, dites-moi, voilà. Est-ce que ça, c'est le grand désert de Calimérie ou pas? Ouest du désert. C'est l'ouest du désert. Dans ce cas-là, c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là qu'il faut aller. Non. Il faut aller au grand désert. Alors attends, le grand petit désert de Calimérie, si on s'en fiche. Ouest, est. Et si on se fait le grand désert? Le grand. Ah, c'est là. Grand désert de Calimérie. Donc là, on l'a fait, c'est ça que je comprends pas. On est déjà venu ici. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bien ici? On a mis l'encens là-bas. Ah, j'ai vu qu'est-ce que j'ai mis cette nuit, mais pas manière. Mais je me souviens qu'il y a une subtile différence avec l'image que j'ai dans ma mémoire. Ah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, genre par exemple, pour se mettre en plein milieu. Creuse. Non. Alors attends, si je tape. Alors attends. Stèle des tours, non, presque de l'hôtel. Sur un millier, dans le temps, non, c'est pas ça. Je suis non. Si des roues une fois trouvées, l'esprit du feu peut m'invoquer. Ouais, si des roues vont t'assister. Pour se montrer, je veux que ma confession. D'accord, attends. Est-ce que. Je me demande si. Voilà. Est-ce que si c'est pas... Voilà, je me demande, hein, je me pose la question si c'est pas comme ça, tu vois. Parce que tu sais qu'il faut les... Ouais, on va les faire tourner... voilà, les uns vers les autres. Est-ce que c'est ça? Non. Vas-y, creuse pour voir. Je fais rien. Donc là, c'est pas bon. Donc je vais essayer de retourner... attends. Ah non, lui il est peut-être pas bon. Voilà. Il me dit c'est bizarre. Oh, on a trouvé un truc. Oh non. Oh, comme par hasard. Oh, une clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et une estrade pour chanter. J'ai l'impression qu'elle m'appelle. Vas-y, appelle-y, Olivier. Fais-toi plaisir. Hop. Examine. Vous avez vu ça, vous voyez que je pourrais? Non, tout de même, à moins que, oui! Bon, faites-moi de la place, je ne tiens plus. Attention, les amis, test. 1, 1, 2. Mi. La. Voilà, je suis prête, qu'est-ce que j'y chante? Alors, l'hymne des sapins, non. Balade dans le parc, non. Mélopée enflammée. Oh oui! Ouais, la mélopée enflammée. Attention, les amis, attention. Grand esprit, es-tu là, y es-tu, au puissant esprit, m'entends-tu? Je t'invoque, je supplie, reviens à mon aide, grand esprit, va, y es-tu? Es-tu là, je sens que ta flamme monte en moi, la, je t'appelle le solitaire, ne reste pas sûr à ma prière. Eh, c'est pas beau ça? Viens, éveille-toi, et révèle-toi. C'est tellement beau. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça, c'est une très très belle chanson. Ça fait vraiment plaisir d'apprendre ce genre de chanson. Je l'apprendrai peut-être pas à mes enfants, mais bon, ça peut toujours être utile.
Parce qu'il y a des choses à savoir. Il y a des choses qui sont pas jolies jolies non plus. Ah bah voilà. Bon, enfin, si la cérémonie d'invocation a fonctionné. Mais alors, cela signifie que l'esprit doit nous attendre à l'intérieur. L'esprit, voilà qui va me donner une page entière dans la prochaine revue mensuelle, voire 2, voire 4, voire 8, voire 10, voire 12. Voilà, bon, allez, on s'en fiche un peu, là, allez, on y va. Il y a des confettis déjà récupérés. Confettis, c'est la base. Les confettis, c'est la vie. Les confettis, c'est tout. C'est tout, c'est tout Paper Mario. Et ça, pensez-y, hein, les amis, pensez-y, parce que, hé, hey, franchement, il m'est arrivé une fois de ne plus avoir de confettis. Et ben, je l'ai regretté dans un donjon, j'ai dû ressortir pour aller me chercher des confettis. Et ben, franchement, ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est très chiant. Ça t'arrive, t'as un peu les boules, quoi. Donc, bien sûr, c'était sûr, hein, ça va être un coq de feu, une poule enflammée, un poulet grillé, je sais pas, mais en tout cas, c'est un oiseau de feu. Ça, c'est sûr, vous comprenez quelque chose. La cérémonie décrite par la presse, c'était une sorte d'invocation de l'esprit du feu, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que nous nous trouvons en ce moment même dans l'antre de l'esprit du feu. Putain, quel esprit fugace, quel esprit rapide, cet Olivia, mais oh là là, mais si je pensais pas. On l'avait tous compris bien avant elle, mais c'est pas grave. C'est qui? Ah, pour tout vous dire, je ne sais pas ce qu'il y a au sujet de cet esprit. Mais malgré la curiosité qui est là, la mienne, je ne suis pas sûr qu'il soit absolument nécessaire que je vous accompagne. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai une peur panique du feu. Oh, professeur, il fallait le dire plus tôt. Vous savez quoi? Restez sagement ici en essayant de ne pas vous enflammer. Et Mario va s'occuper de tout, il est là pour ça. Attends. Ah, non. Ce qu'on va faire déjà, attends, parce que là, il y a un truc qui va faire, parce que j'ai plus de... Non. Avant de d'aller affronter cette mascotte enflammée, je vais déjà aller quelque part m'acheter un truc qui est des plus importants. Oh que oui, c'est important. Hop. Eh bien, attends. Allez, hop, on entre là-dedans. Oui, bah oui. Allez, d'accord. Vas-y, on s'en fout, vas-y. Faut que j'aille m'acheter un champignon. Vie. Un champignon qui va me redonner une vie parce que je suis vraiment paniqué parce qu'en fait tu vois le truc c'est que j'en ai vous nous tous tout le monde en a besoin. J'en avais acheté un, oui, dans la vidéo précédente, je crois que j'en avais un, ou alors je l'ai fait en dehors de la vidéo précédente, je sais plus. Et en fait j'ai affronté une bestiole, c'est des espèces de bêtes c'est vous déjà. De bêtes comme des vers, mais ça fait des boules les unes sur les autres. Et ben, je te jure, ils m'ont mis minable. Donc, alors, attends. Ouais, il y a du truc là. Hein. Allez, t'as vu, on en récupère de plus en plus. Hein. Alors, bonjour, qu'est-ce que je vais vous proposer? Bah, alors, attends, tu vas voir, je t'en fais. Par exemple, ça. Ah, si, j'en ai. Une viande de glace, j'en ai une. Ah, bon, d'accord. 2400 pièces. Ah là là, vous me flinguez. Mais vous me prenez tout mon pognon. C'est déjà dur d'en avoir. Ah bah c'est super dur d'en avoir du fric. Dans Paper Mario. Alors au début tu te dis ça va, j'ai du pognon et tout. Ouais, au début, grave. Mais après quand tu veux acheter des nouveaux accessoires et ainsi de suite, et ben l'argent t'en as pas beaucoup. Ouais, parce que ça. Genre t'as du. C'est du 3-4 000. Puis après bah les accessoires importants c'est minimum 8 000. Tu vois, 8 000. Donc là j'en ai un par exemple. Enfin j'en ai acheté deux même. 2 à 8 000, franchement ça m'a rendu minable. J'ai dit non, c'est pas possible. Alors j'ai fait, c'est pour ça que je l'ai pas fait en vidéo. On va dire que j'ai farmé les pièces d'or parce que je te jure que c'était obligatoire. Donc là voilà, je suis un peu plus serein. J'ai un champignon vie, un champignon qui va me permettre de revivre si je décède. Donc c'est pas simple, hein, c'est pas simple cette situation, mais c'est quand même assez sympa. Donc là on rentre, là, c'est dans la crypte de feu. Crypte de feu, oh là là, ça fait chaud. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver là-dedans? Ok. D'accord. Oh non! Mince! Ok. Ouais. Ok. Voilà, moi j'ai trouvé, d'accord.
Voilà. Et voilà. Un trou à reboucher. Et surtout, la sauvegarde qui va nous servir quand même, qui est très importante pour nous. Une bonne sauvegarde est une sauvegarde faite. Voilà, vraiment c'est bon, on est rentré, on est dans le game. Alors attends, qu'est-ce que nous fait toi? Ah, hop. Mais Martha, tu peux ou pas? Vas-y, tu me fatigues. Ah, mais... je croyais qu'il était en train de regarder le côté, j'étais en train de regarder ce que je fais. Ah, c'est pas sympa ça. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah bah d'accord. Oh là 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 là, ça c'est chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah vas-y, on va faire ça. Ok. Voilà, bah parfait, voilà, on est content, tout le monde est heureux. Je suis pas spécialement fan de cette situation, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à le faire. 18, ouais, ils sont balèzes, hein. Je vous le dis d'emblée. Ouais, ils sont balèzes, surtout le petit perso vert là. Mince. Ah bah non, pas tant que ça en fait. Bah, je croyais avoir plus galéré. Hop, si c'est... Ah, quand même, hein. Vous me fatiguez, les gars. Vous me fatiguez, je vous le dis d'emblée aussi. Ouais, hop, hop, voilà. Allez, on va leur casser les petites ailes. Quoi? Non, mince, non. Ok. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'on arrive à les toucher avec le... Ok, alors attends, si je fais ça, ouf là, si je... Bah non. Pourquoi... Ok, voilà, j'ai eu peur. Bon, attention, je vais faire les bottes... Non, je vais faire les bottes brillantes. Voilà, parce que les bottes brillantes, je peux les utiliser aussi. J'en ai d'autres, hein. Voilà, j'ai d'autres armes, là je suis bon. En armes je suis bon, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis bien. Pas si je suis pas bien stuffé, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai de quoi faire. Hop, hop, voilà. On récupère. Voilà. Ça aussi. Voilà. Hop. Parfait. Bon. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? Alors, attends, il y a des passages là, pour bien regarder... Oh! Ah, ça c'est moins bon, ça. Ah non! Oh là là! Qu'est-ce qu'ils vont nous ramener? Oh, attention! Ah, comme par hasard! J'imagine que tu peux pas les éclater comme tu veux. Wow! Ok, d'accord. Donc faut bien faire gaffe. Vite. Ok, faut les taper. Pour... Voilà, c'est ça, c'est bien ce que j'ai vu. Faut les taper pendant que... Voilà. Comme ça, ils sont en feu. Hop, voilà. Ah, marche. Ah, il m'a poussé, l'imbécile. Allez, à cœur, ça fait toujours plaisir. Hop, deux cœurs, c'est génial. Ah, dis donc. C'est vraiment pas gentil, ça. Hein. Voilà, c'est fait, on a réussi. Ah, j'ai cru qu'il allait me balancer du feu, lui aussi. Merci, les gars, merci. Ils sont quand même sympas. Hein. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non, moi je me disais c'est bizarre aussi, tu vois. Ouais. Non, non. Alors, il n'y a pas un passage. Faut toujours regarder partout. Je te jure, tu te croirais dans un... Tu sais, dans les donjons de Link. Là, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un truc qui peut se passer. Oh. Attention. Hop. Ça, je sentais le truc gros comme une maison.
je peux pas passer par là. Vite. Évidemment, évidemment, il faut deux coups. Pourquoi il y a ça? Je m'explique, hein. Ah. Ah, bah. Ah, comme par hasard. Attention, attention. Voilà. Ouh. Ouh, c'était chaud. Oh. Oh là là. On doit faire une chaleur de fou. Une chaleur de fou ici. Attends, j'ai vu qu'il y avait un truc. Fais voir. Attends, y'a un. Voilà. Est-ce qu'on peut. Non, on peut pas. Voilà. Super. Voilà. Champignon. On va essayer d'aller là-bas. J'ai vu qu'il y avait un autre truc à récupérer. On va en profiter vite. Ah bah oui. Waouh. Ah, ils font flipper leur truc. Il y en a partout. Comment ça se fait que j'arrive pas à l'avoir celui-là? D'accord. Bon. Tant pis, au pire, j'y retournerai. Peut-être que on a une nouvelle. Pas une nouvelle attaque, mais un truc qui nous permet de sauter peut-être plus haut. Je sais pas. Peut-être, hein, peut-être. Qui y a, personne ne sait, personne. Ben, peut-être à part ceux qui ont déjà joué. Mais comme j'aime pas me spoiler, vous le savez, je n'aime pas regarder, je n'aime pas regarder la Solus. J'aime bien tout faire par eux. C'est quand même plus valorisant que de regarder la Solus ou de demander à quelqu'un quoi faire. Ah, donc là, qu'est-ce qu'il y a? On va trouver des trucs. Donc un nouveau champi. Ouais. Ok. Bon, après, c'est vrai, c'est ce que je te disais. Hein. Le jeu est pas spécialement dur. Hein. T'as vu, on vient d'avoir un banc qui nous a permis de pouvoir reprendre un peu de vie. Et là, on retrouve un champi. Donc, encore. Ah, oh, bah, il y a du monde en plus. Attends, pourquoi qu'il y a plus de monde que tout à l'heure? Non? Bon, après c'est pas dur, hein. On a compris le truc là. Allez, vas-y, saute, voilà. Et là, ah, oula, aïe, là j'ai voulu faire mon malin là. Hop, hop, allez, hop, ah, moi je les ai. Hein. Oula, bah d'accord, aïe, ils sont. Aïe. Oh le bordel! Mais dis donc, mais ils me foncent dedans comme pas possible en fait! Voilà! Qu'est-ce qui se passe? Oula, ils vont appeler un de leurs potes! Ou attention! Attends, comment je vais pouvoir faire ça? Eh, ils sont tous en feu là, les imbéciles. Voilà. Bon, c'était pas bien dur. Là non plus, c'était pas bien dur. Ils ont une technique imparable. La technique de la ligne de front. Comme ça, ils balancent leur feu et tout. Bah, c'est pas compliqué non plus. Mais tu vois, comme je viens de te le dire, hein, c'est Mario Paper, c'est pas un jeu qui est spécialement dur, tu vois. C'est pas fait pour les hardcore gamers, pas du tout. Alors là, peut-être un peu plus. Là. Alors attends. Hop. D'accord. Allez, en plus, il y a du monde à affronter. Pas envie de m'embêter non plus. Il y a dis donc, mais. C'est quoi ce pins là? Voilà. Ah, les pièces, c'est super important. Hein. Ah, mais. Il lance du feu. Attention. Alors, lui on peut pas l'affronter, c'est-à-dire qu'il va nous balancer ses petites boulettes de feu là. Jusqu'à qu'on. Voilà, ouf, jusqu'à qu'on. Bah voilà, tu vois. Je sais pas si je l'avais tapé, je sais pas du tout. Des fois tu vois rien. Bon, vite, ça va. Ah bah évidemment, il a ramené ses potes. Les potos. Alors. Non. Hop.
va essayer de s'attaquer plutôt à eux. Excellent, super, excellent, excellent. Bah ils ont... Ah ils sont pas... Non, non, ils sont énervés là. Hein, tu vois. Allez, hop, 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 voilà. Bon, deux attaques pour les vaincre. C'est pas grave. Hop, 4. 4 vaincre, ça va. C'est pour une attaque lambda, ça va. En plus, il nous a fait qu'une attaque, alors qu'ils sont 4, tu vois, bon, alors on va pas se plaindre. Non, j'attaque avec les... D'accord. Avec les objets de base, parce que... comment je pourrais t'expliquer? Lorsque je vais me retrouver devant le boss, j'ai pas envie de passer 2 heures là-dessus, tu vois. Comment je fais pour aller... Ok. Ok, ah d'accord. Hop, voilà. Il nous a pas vu arriver. Ah, il était là à attendre un 1, il y a un... Ah non, non, bah non. Pas eux quand même, non. C'est... Non mais ils sont chiants, sérieux. Ouais, bah là il y a un problème là, non? Il y a pas un problème là. D'accord, si, il y a un problème. Parce que là, si je fais ça, voilà, regarde, tu vois. Il y a un truc qui peut être possible, par exemple. Si je fais ça, bon, hop, hop, ok. Et si je fais. Ça, c'est ridicule. Ben non, c'était pas bon, en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. On va juste se faire déjà cela, déjà. Parce que, ouais, non, il faut les taper 2 fois. Bah tous il faut les taper 2 fois tu vois. Et comme ça c'est fait. On s'occupera des autres par la suite. Tant pis. Voilà. Non mais regarde. Ah, je sais pas si vous avez remarqué en plus. Vous avez vu le nombre de toads qui sont avec moi. C'est fou hein. Il y a du monde là. Il y a du monde. Tu vois comment c'est qu'ils sont trois là. Ne manque pas. Là j'en ai pas mal de toads. Hein. Alors je crois que je suis à peu près à 100% sur chaque endroit du jeu. Je crois. Hein. Je crois qu'il m'en reste peut-être un ou deux de ceux du début du jeu. Ah oui, c'est sûr il y en manque deux déjà dans les premières maps. Une dans la forêt et une à l'esprit de la terre. Je sais toujours pas comment faire pour récupérer celui-là parce que il est en hauteur et je saute pas assez haut. Ou alors je sais pas du tout. J'avais tenté de voir si je pouvais descendre et d'être sur le bloc de sauvegarde, tu vois, celui que tu tapes par en dessous en sautant. Je pensais qu'on pouvait sauter dessus, mais j'arrive pas. Donc pour l'instant, c'est niet. Ah, ça sent mauvais, ouais, t'es sûr. Vite! Ah, vite! Où est-ce que mais non! Et franchement, Mario, t'as un nier! Ah, ouais, d'accord. Je pensais qu'il y avait un bloc, j'ai vu un bloc et je pensais qu'on pouvait le. Voilà. Bon, tant pis. Alors, cœur. Hop, sauvegarde. Là, je pensais qu'on pouvait être dessus. En sautant par-dessus, est-ce qu'on pouvait être sur le bloc de sauvegarde? Apparemment, non. Donc là, on est à 123 sur 130 au niveau de la vie. On arrive, j'en suis persuadé, au boss. On va voir ce que ça donne. On va tenter. Si on n'y arrive pas, on tentera dans une prochaine vidéo. Bah ouais. Non. Bon, on est chaud. On a un peu de temps devant nous. Il est possible qu'on réussisse. On n'est pas non plus à l'abri de la défaite, mais moi je le sens bon. Mais c'est quoi? C'est pas... Comment il s'appelle le Pokémon de feu là? Sulfura. Je crois que c'est ça. Hein. Bah c'est peut-être Sulfura. Ça y ressemble, hein? Enfin, ou c'est Articodon. Non, c'est Sulfura, je crois. Non, je crois que c'est Sulfura. Ça vous pouvez pas penser un peu à ça? Ah, c'est un Phoenix, hein? Phoenix. Et
Moi, Sulfura, je crois que c'est ça, Sulfura, le Pokémon légendaire de feu, l'oiseau, tu vois. Je crois que c'est Sulfura. Ça y ressemble, hein. Bah, c'est un phénix, hein, Sulfura. Et l'oncle là, c'est un phénix aussi. Mais le pauvre a été horrible à baiser. Il faut l'aider à retrouver son état normal. Alors, ça va être. Oh, ça va être pénible. Il y a du feu, donc on risque de prendre des dégâts de feu. Terrible, l'esprit du feu. Il est tout feu, tout flamme. Les ficelles, elles sont immenses, et puis cette allure, toute élégance d'un esprit. Regarde comme il brûle l'envie de nous affronter, il est tout feu, tout flamme. Et du coup, on fait quoi, Mario? Bah, on va l'affronter, pas le choix. Alors. Attends. On a. Alors, pour réfléchir, on a. Oh, ma zette. Comment je vais faire ça, moi? Parce que si je fais ça, boum. On a. Ouais. Oh. Ok. Non, ça va pas. Attends. Je sais jamais. Ah. Voilà, je crois qu'on va faire comme ça. Non. Attends. Hop. Voilà. Ouais, on va tester comme ça. On va voir ce que ça donne. Attention. Est-ce qu'on peut choper? Allez-y, on chope. Bras multipliant, on chope. Allez. Est-ce qu'on peut choper par la queue ou par l'aile? Je sais pas. Allez, on frappe. C'est dangereux, il faut pas toucher les flammes avec les bras multipliés. D'accord, en fait, on s'en rend d'accord. Ok. Ah! Hop. 20. Ah ouh! Plumage ardent! Attention, les amis. En garde, voyons! Vous avez pensé que ses PV ont baissé. D'accord. Je suis sûr qu'il serait établi s'il les perdait. Il aurait senti aussi triste mine. Ok. D'accord, donc. Ils ont pu m'enflammer sur le sol, mais il y en a une juste devant moi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut pas le toucher comme ça, il faudrait qu'on le touche. Bah ouais, je veux bien, mais non. Ah d'accord, ça touche aussi, d'accord. Donc si on fait ça, on peut par la même occasion le taper. D'accord, on est d'accord. Donc s'il perd les plumes, parce qu'on peut pas les récupérer, j'imagine. Attends. Mais non, je peux pas, c'est idiot ça. Oh. Ou alors si je fais ça, je passe par là. Non, c'est pas bon. Il me fatigue. Non. Il faudrait qu'on. Ah, bon, attends, je vais faire autrement. Faire comme ça. Voilà. Mais non, c'est pas bon non plus. Eh non, mais franchement, il y a des fois, ça me fatigue. Hein. Je comprends rien du tout à leur truc. Ou alors si il faut que je fasse ça. Voilà. Tant pis, je prendrais peut-être une charge avec la. Tant pis. Voilà, je m'en doutais. Si vous ne voyez pas les panneaux qu'il vous faut, essayez donc d'ouvrir un coffre au trésor. Ouais, bah là je pense au marteau peut-être. Non, le marteau c'est. Je sais pas, je me dis, je vais prendre. Ou alors avec un objet. Glace ordinaire sur une rangée d'ennemis. On essaye? Bon, vas-y, on essaye. Et voilà. Allez. Non, mais il est sérieux. Ça vient du tout. Non, non, mais franchement. Faudrait qu'on arrive à faire baisser un coup. Ah, d'accord. Faut qu'on évite les plaies, les dards. Ce qu'on peut faire, c'est que si on peut passer comme ça, ça pourrait être pas mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a pas. Si, il y a un cœur là. Ou alors, attends, il y a trois. Si je peux. Non. Ah, ça, c'est bon. Ça. Attends. Non, ça fait pas. Ça me fait pas du tout, même. Donc si, par exemple, je veux faire quelque chose de plus simple, comment je pourrais faire à part ça? Ouais, à part faire ça, je peux pas
d'autres actions plus sympas. Ouais, vas-y, on va rester comme ça. Là. Ah, bah, ouais, on va se prendre encore un coup. Donc là, Marco, on avait dit non. Bot, on va essayer la bot. Mais je pense qu'on va se faire enflammer. Hein. Tu vois? Tiens, tu vois? Tes bottes ne protègent contre le feu visiblement. Tu n'aurais pas autre père un peu plus solide qui reste en humain. Donc d'accord, c'est pour ça qu'ils disent d'ouvrir un coffre. On risque de récupérer. Aïe. De récupérer un truc dans un coffre. Pourquoi? C'est vraiment ça, hein. Ils veulent qu'on récupère quelque chose dans un coffre. Toujours attention, si tu n'as pas vu que les flammes enflammées qui traînent par terre, tu risques de ne plus pouvoir avancer. Comment c'est... Ah non mais d'accord, je fais comment moi? Alors attends. Si je fais... Voilà. Et si je fais... Je sais pas moi, tiens, on va juste faire ça, juste faire ça. Voilà. Voilà, on va rester comme ça, voilà. Cœur. Mais non! Voilà. Et faut que tu veux que je les éteigne comment, les trucs au sol? C'est quasiment impossible. Il y en a partout. Il y en a partout, je te le dis, moi. Attends, mais je veux bien, mais hop. Je vais faire ça. Je pense que ouais, je vais faire comme ça. Je vais juste faire ça. Vas-y, fais voir ce que c'est. Alors, pourquoi ils disent d'ouvrir un coffre? Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Ah! Ok, ok. 89, je vais juste prendre un champignon. D'accord. Ouais, on va juste prendre un champignon, histoire de se mettre bien. On passe notre tour, et on a vu qu'il y avait, voilà, donc là je pense qu'il faut utiliser l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau, les gars. Hop, 21, ce qu'on va faire. On va tenter d'utiliser l'esprit de l'eau, parce que là c'est vraiment plus possible. Alors. Ok, donc ça si je fais ça... Non. J'ai 3 tours, ok. Ça. Hop. On est d'accord. Voilà. Et hop. Et voilà, c'est parti pour l'esprit de l'eau. Pouvoir de l'esprit. Cercle de pouvoir activé. Comme ça, je pense que ça va refroidir toutes les petites arcs, les plumes enflammées qui sont sur la map. Et qu'on va être tranquille. Et c'est un peu comme ça, quand t'affrontes un esprit, tu t'occupes de lui avec l'esprit que t'as trouvé précédemment. Donc là, voilà, on est tranquille. Tour de l'ennemi. Donc là on va pouvoir frapper. Hop. D'accord. Bah oui, maintenant USB n'est plus en feu, tu pourras peut-être attaquer sans te brûler. Alors, comment on va faire pour l'attaquer? Pour l'attaquer en tous les cas. Alors comment on va faire? Donc si on l'attaque. Je me dis que c'est pas bon. Ouais. Si on l'attaque, il faut. Je vais voir. Un. Je sais pas du tout, non. Je pense que je vais l'attaquer normal, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 104, si je fais ça, 1. Je pense que ça va être comme ça. Ouais, je pense. Je pense, c'est bien comme ça, je pense. Là, on va taper au... Alors, attends, je vais utiliser un marteau. Marteau brillant, tant pis. Ça, il est cassé, tant pis. Seulement 2? Il est sérieux? Bon, donc c'est que les coups comme ça, ça marche pas trop bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre attaque. Ça c'est sûr. À moins que, tu vois. Vas-y. D'accord, ah, on va peut-être le déplumer avec le bras multiplié, regarde, on va voir. Bras multiplié, est-ce qu'on peut le déplumer? Allez, vas-y. Ah ouais, d'accord, il faut y aller. Bon, là, on lui a fait mal.
Il va... Ah non, j'étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait tout renflammer d'un seul coup. Ah là là, la sale bête. Ah non, il a tout repris. Il s'est ranimé. Il faut peut-être que tu choisis mieux ton moment pour attaquer avec les bras multipliés. D'accord. Tu m'expliques là parce que... Non mais attends, c'est pas normal. Je suis un peu... Ça va me saouler, ça. J'ai pas envie de passer 2 heures sur un truc comme ça, je te le dis. Parce que là, je comprends pas. À moins qu'il faut peut-être lui sauter dessus. Ouais. On va voir ça. On va ouvrir le coffre. C'est ce qu'on va... Ah, mince. Tant pis, c'est pas lui. Comment ça, il a ouvert le coffre? Et j'ai... D'accord. Plumage ardent, ok, donc là il va. Ok, il en a perdu un peu. Mais ça m'aide pas. Le truc c'est que ça m'aide pas. Je veux bien qu'on ait des choses à faire et ainsi de suite, mais là en fait faut que j'attende que lui il ait plus de. Bah, tout simplement plus de. plus de. Mince. Plus de plume en fait. Plus de plume, c'est un peu ridicule. Mais tant pis, hein, je veux dire, on va faire comme ça. Y a pas un cœur quelque part là? Si, y en a un là. Vas-y. Fais-toi plaisir, mon petit. Au moins, voilà, on va essayer de pouvoir de l'esprit, voilà. Je sais pas du tout. Ça te dit. Ok, d'accord pour ça, mais après. Allez. Ouais, je sais pas. On va essayer de faire autrement que claquement d'elle. Hop, voilà, ok, d'accord, 16. Et on va essayer de lui sauter dessus. On n'a pas essayé le sauter dessus. Donc, on va le tenter. On va le tenter. Il faut qu'on tente. Et il y a... Attends, il est fou, hein. Attends, il est pas... Non, ça va pas. C'est pas grave. Et puis, je vais faire ça. Ça, voilà. Alors. Et ben on va lui sauter dessus avec des potes brillantes. Il y a des piques, lui, hein. Sur la tête. Non, je sais pas, on va essayer. Tant pis, on va essayer. Ok. Bon, c'est pas énorme. Ça lui a fait mal quand même, hein. Mais c'est pas ça. Est-ce qu'il va... Attends, maintenant, ce que je veux savoir, s'il perd tous ses trucs, j'espère que ça va quand même aller plus simplement, parce que ça va. Qu'est-ce que je pourrais faire Je vais voir. Un. Deux. Voilà. Allez. Bon, on réutilise les... Bah ouais, on va réutiliser ça. Bah attends, je vais peut-être faire ça, parce que franchement, vu que ça fait pas énormément de dégâts, mais au moins on va essayer. Hein? Tu vois avec les bottes? Ouais, enfin, c'est pas foufou non plus, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, donc tu vois, il reprend, mais il se remet en flamme. Ah, ouais, mais il reprend pas ses dards. Eh, mais ça va, le combat il est long, je te jure, il est long, c'est chiant. Il est long et chiant. Alors attends, si je me fais ça, il faudrait que je trouve. Alors attends, hop, c'est pas grave. Ça. Est-ce qu'il y a un peu un cœur quelque part? On va prendre le cœur pour histoire de se dire que ça fait du bien d'avoir un cœur. On va le remettre à terre. Voilà. Ça fait mal. Je sais, mon petit Mario. Je sais. Allez, pouvoir de l'esprit. On va le recoucher, hein, tant pis. Hein. Allez.
Est-ce qu'on peut passer... ça va, on va pas te faire un chapeau, on se voit, ça va. Non, on peut pas. Ah, on l'a remis à terre, c'est bon. Il a pris, bon, il a pris 2 dégâts, bon. Bon. C'est pas comme si, hein. Bon, bof. Claquement d'aile. Claque dans l'aile. Alors. On est un peu plus calme, un peu plus serein. On va essayer, voilà, donc là, j'ai 3 de passage. Si je fais, voilà, une attaque banale avec ça, ça peut le faire. Donc là, si on fait, par exemple, attends, je sais pas, mais... Ah! Si on fait une fleur de glace, on va faire une fleur de glace une première fois. Bon, puis après, bon, finir. Et puis on va faire une botte. Ouais, une botte. Et voir si la feuille de glace, ça peut faire quelque chose. J'en avais 2, j'en ai loupé. Ça se trouve, ça va lui faire rien lui faire, mais tu vois, allez. Clac, 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 clac. Ouais, c'est. Ouais, ça peut, ouais, ça va. Bon. Bon, si c'est comme ça, on va pouvoir le battre. Non, pas facilement, mais c'est long. Après, c'est peut-être pas forcément la bonne technique, hein. Je dis pas d'essayer ma technique, hein, c'est pas vrai. Mais voilà quoi. Le cœur, faudrait peut-être que je le prenne, tu vois. Je me dis que le cœur, ça serait important de le prendre. Et puis voilà quoi. On va voir, on va essayer. Ah non, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Si je me dis, je fais ça. Non. Voilà. Non, 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 non. Ah, voilà, voilà. Si je fais ça. Non, c'est pas bon. Bon. On va faire un point autrement. On va faire comme ça. Le cœur, on verra ça après. Ah, il y a un petit cœur là, on peut le prendre. Au cas où, ouais, ça peut toujours faire. Ça peut toujours faire plaisir. Le cœur fait plaisir. Voilà. Et puis bah là on va refaire bot. Hein. Et puis bot. Voilà. Bot et bot. Allez. 4. 5, ouais, on lui met 5 de dégâts, avec une deuxième coup ça fait 10, ouais, bon, c'est pas énorme, mais tu vois, ça, il prend quand même, ça, il prend que sa cartouche, hein, il... Ah, il est content, hein. Il est content quand il fait ça, hein. Là, je te le dis, il est content, il est pas en train de dire, ouais, non, mais attends, le feu, non, non, le feu, rien du tout, tu prends ça, c'est tout, ah, attends. On va recommencer. Il faut qu'on fasse un. On va se mettre là. J'ai pas envie de passer du temps à essayer de chercher comment faire. Hop. Alors là, des fois, tu vois plus rien en fait. Ah non, Mazette ! Il n'y a pas. Oh non ! Ok. Donc en fait, on va devoir ouvrir le coffre. En fait, on va faire un tour pour rien. Ah mince. Et voilà. Attention. Faut pas qu'on prenne trop cher. Pas dommage. Ah voilà, 21. Ouais, bah, ouais, 21. Voilà, c'est bien, mon gars, c'est bien. Il y a un truc qui est encore plus enflammé, tu sais, c'est bizarre. C'est comme si on avait. Non, on n'a pas le temps de faire ça. Oh. C'est sérieusement. Ils sont fous, je te jure, ils sont fous. Alors, c'est pas grave. On va faire un truc comme ça, on. On va faire un... Hop. Et je te jure que... Je vais prendre cher. Je peux pas faire ça, quand même. Non, faut que je me... Non, faut que je fasse une action, mais... Tant pis, c'est pas grave. Allez. 25. C'est bon. Au bon moment. Ouais, d'accord, sinon on s'en fout. Allez. Et on va le mettre KO vite. Allez, au pouvoir de l'esprit. Allez, cercle activé. Il est plus très loin de succomber, hein, mais... Tu peux peut-être faire plus rapide en essayant d'aller le plus loin possible lorsque, tu sais, il balance ses dards, hein, ses feuilles. Ses plumes, plutôt. Mais après, voilà, tu joues aussi avec ta vie, parce que chaque fois que tu veux aller te déplacer sur une case, voilà, bah, il m'a tué. Heureusement, tu vois, heureusement j'ai plus que... Hein, je redonne la vie. Voilà. Vous savez comme quoi ça sert. Donc,
On recommence. Donc là, on va essayer d'aller au plus loin possible. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un double coup. Voilà. On peut faire un coup comme ça. Et on peut faire une attaque sympa, voilà, comme ça par exemple. Vas-y. Ah bah là, carrément quoi. Deux bottes, et après ça sera terminé. 1, 2, 3, 4. Comment ça, 0? Perdre les rares plumes qui lui restent sur le crâne. Ça quoi, c'est vraiment chouette, mais on doit lui plumer actuellement en tête si on n'a pas le choix. Ah, d'accord, donc là, c'est à ce moment-là que tu dois utiliser les bras multipliés. Voilà, c'est pour ça, c'est ça que je te disais, tu vois. Tant pis. Donc ça, on sait que c'est le dernier truc. Non, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Donc là, il va falloir... D'accord, t'inquiète pas, on va trouver. Donc là, puisqu'il est... Attends. Donc là, c'est un autre tour. Donc là, c'est obligé, il faut utiliser les bras multipliés. Bras multipliés. Donc là, il y a un. Ok. Là, il y a ça. Ok. Et là, il y a ça. Allez, c'est parti, les gars. Allez. Alors, c'est le bon moment. Allez, attention. Bras multipliés, les amis. Attention. Là, c'est la fin du boss. Hop, appuie. Et puis là, on donne tout. Hein. Allez. Allez. Allez, c'est bon, on lui a arraché les dernières plumes. Ça y est. Ah, je sais pas, mais il était long, ce boss. Voilà, 2550, bravo. Ça va de quoi me repayer un champignon pour me redonner de la vie. Bravo, merci. Fabuleux, les amis, fabuleux. Un nouveau cercle de pouvoir. On sait qu'on va devoir le réutiliser. Bah pour allumer par exemple la fameuse char qui manque la flamme, donc ça c'est une première chose. Et puis après t'as sûrement le reste parce qu'on va sûrement avoir un nouveau donjon à faire. Mais ça, le donjon, ça sera pas dans cette vidéo les amis, parce que je pense qu'on va en rester là. On a plein d'émotions, il va falloir quand même que se reposer, se calmer et puis se dire qu'il faut voir ça dans la prochaine vidéo. Donc là, en attendant qu'Olivia apprenne les pliages pour devenir l'esprit de feu, Et ben, on mate la vidéo, et après on se retrouve tout de suite après. Hein, ça vous dit? Et ben, ça marche. Allez, regardons comment elle se transforme. La petite Olivia. Alors ça, je trouve ça super cool, ça. Non, franchement, c'est super cool. Alors le pliage, mon dieu, le pliage. Quand tu te dis que c'est véritablement un art, hein. c'est un art, l'origami. C'est beau. Ouais, c'est beau, les amis. Voilà, on a appris comment se transformer en esprit de feu. Et c'est merveilleux. Je ne sais pas si le stress m'a donné les brûlures d'estomac, mais... Je sens un feu brûler en moi. Bravo, Olivia, bravo. Regardez comment elle est bien. Regardez comment elle est belle. Hein, c'est beau tout ça. Une petite capture d'écran, ça fait toujours plaisir. Voilà ce qu'elle peut faire. C'est ce que je disais, donc comme quoi on va s'en servir pour allumer la jarre. Parfait. Parfait. Bon voilà les amis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'est vrai que l'esprit du feu était vachement dur. Enfin, dur, façon de parler. Si tu veux, on aurait pu le battre plus facilement, plus rapidement, si on aurait trouvé la technique. Bon, là, on a trouvé la technique à nos dépens. Et en fait, voilà, il faut attendre le dernier moment pour utiliser le bras multiplié, bah, sinon il récupère toutes ses plumes. Il y renflamme et puis bah, il reprend sa vie. Bon, ça c'est, on a trouvé la technique, comme je le dis, malgré nous, mais ça va, ça, franchement, c'est pas spécialement dur. Bon, je suis mort une fois, heureusement qu'on a. Pensez-y, je le redis, pensez toujours à prendre un champignon qui vous redonne une vie. Moi, tu vois, je le prends à chaque fois, je l'avais oublié, vous l'avez vu, j'étais en recherche un, et il faut vraiment en avoir un toujours sur soi. Enfin, voilà, les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes bien amusés. J'espère aussi que vous allez revenir pour voir la suite de ce Paper Mario. Parce qu'il faut savoir la suite. Là, on est allé au troisième esprit de feu. Je pense qu'il nous en reste encore trois. Enfin, c'est bien le troisième. Ouais, c'est le troisième. Ouais, je vais t'en réfléchir en même temps. Mais ouais, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on ira sûrement récupérer... déjà, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est couper le serpentin jaune. Et puis après, on ira voir sûrement par la suite un autre esprit.
lequel? L'esprit de vent, peut-être? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo sur Paper Mario. À bientôt, ciao, ciao!